en termes de contamination, on est dans une situation qui nous semble assez stable, avec toujours une circulation virale qui est significative, mais qui reste en plateau. Et donc, pas d'indication que la situation s'aggrave ou qu'il y a de nouveau une reprise épidémique forte, mais avec une activité de fond virale qui est persistante. Et c'est vrai que par rapport à d'autres villes, la situation semble donc se tasser. Est-ce qu'on peut dire s'améliore à Nice, ou est-ce que c'est peut-être un terme un peu fort? Comment vous la qualifieriez, vous, du coup? Bah nous, on est preneurs, hein, et on est plutôt toujours... On voit d'une manière plutôt positive le fait de ne pas avoir l'augmentation persistante des cas. Donc on est dans une situation stable. C'est trop tôt pour dire qu'il y a une franche régression de la circulation virale, mais effectivement, ça ne se traduit pas pour l'instant, en termes de population générale, par une augmentation très importante de cette circulation virale. Ce qui n'est pas à mettre en rapport avec les cas hospitaliers, qui traduisent toujours en fait une situation d'il y a une à deux semaines. Et donc c'est avec retard qu'on voit les cas hospitaliers par rapport à la circulation virale.